În Le Parisien ați dat un interviu anul acum un an și ați spus că un text trebuie să reproducă bătăile inimii, să fie viu, să ofere culori contrastante pentru a provoca râsul și pentru a emoționa, să fie dramatic și să de-dramatizeze rând pe rând, pentru a permite cititorilor să ne orbărească într-o întreprindere cu mult mai dură, e important să le oferim un surâs, să le facem plăcere. Ce ne face să surâdem în romanul dumneavoastră, Omul care vedea dincolo de chipuri? Ah. J'ai toujours écrit des livres qui parfois font rire sur des sujets qui sont pas drôles du tout. Je crois que j'ai passé ma vie à ça. Parce que pour moi, le but d'un livre, c'est à la fois de parler de choses dramatiques, mais de les dédramatiser. Întotdeauna am scris lucruri care făceau oamenii să râdă, deși subiectele nu erau deloc amuzante, pentru că scopul unei cărți este acela de a prezenta lucruri dramatice pentru a le de-dramatiza. Moi, ce qui me fait rire, en tout cas moi, dans ce livre, ce sont les personnages. La juge, qui s'appelle la juge Poitrenaud, est quand même un personnage absolument extraordinaire parce qu'elle a l'air totalement idiote et en fait elle est supérieurement intelligente. Mais il n'y a que les gens intelligents qui se rendent compte qu'elle n'est pas idiote parce qu'elle fait l'idiote. Et c'est un personnage totalement belge. Si vous voulez trouver l'essence de la Belgique, c'est ça. Quelqu'un qui a l'air idiot mais qui au fond est profondément intelligent. C'est pas français ça, c'est belge. Pe mine ce mă face să râd în această carte sunt personajele. De exemplu, unul dintre personaje, doamna judecător Poitrenaud, ea reprezintă cumva esența unei persoane care în aceeași măsură pare idiotă, tâmpită, dar de fapt este super inteligentă. De fapt, trebuie să fii foarte inteligent ca să-ți dai seama că ea nu este proastă. Și este un personaj 100% belgian, pentru că asta reprezintă cumva imaginea belgianului, cel care te face să crezi că este stupid, pe când de fapt este inteligent, e belgian asta. Oui, parce que le français, il prend l'air intelligent même quand il est stupide. Pentru că francezul are acest aer de inteligență chiar și atunci când este stupid. Voilà, tandis que le belge, il a l'air stupide quand il est intelligent. Voilà, belgian este invers. Are aerul stupid, belgianul are aerul stupid când este inteligent. Et puis il y a un autre personnage moi qui me fait beaucoup rire et surtout le rôle qu'il joue c'est la femme de ménage du journal où travaille Augustin, puisque Augustin est stagiaire dans un journal, et cette femme de ménage, c'est un homme qui se prend pour une femme. On ne sait pas pourquoi il se prend pour une femme, parce qu'il est absolument pas féminin, et il se fait appeler Kalsoum, parce qu'il pense qu'il est la réincarnation de la grande chanteuse arabe des années 40-50, qui s'appelle Kalsoum. Évidemment, il n'est ni femme ni arabe, mais il est persuadé qu'il est la réincarnation d'Oum Kalsoum. Et il va jouer un très grand rôle auprès d'Augustin, puisqu'il va être l'intercesseur pour rencontrer peut-être la personne que veut rencontrer. Il va presque jouer le rôle d'une sainte ou d'un saint. Et ça m'amusait de mettre un saint ou une sainte avec cet aspect-là. Și apoi mai este un alt personaj care mă face să râd, cu un rol foarte important în carte. Este vorba de Kalsoum, care este de fapt femeia de serviciu care lucrează în redacția ziarului unde Augustin este stagiar. Kalsoum, de fapt, este un bărbat devenit femeie, motivele nu sunt date foarte clar și care se crede reîncarnarea unei celebre cântărețe de muzică arabă de prin anii 40-50, Kalsoum.
El nu este nici femeie, nu este nici arab, însă în carte va juca acel rol de intermediar, de mijlocitor, dacă vreți, care facilitează drumul lui Augustin. Este un fel de sfântă sau sfânt și este foarte amuzant să poți să transpui acest rol al unei sfinte sub acest personaj, un casum. Et puis l'autre chose, moi, qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'au milieu du livre, j'ai vu arriver un personnage auquel je ne m'attendais pas, puisque Augustin rencontre Eric Emmanuel Schmitt. C'était la question. Și un alt lucru care mă amuză, pentru că chiar nu îl vedeam întâmplându-se, este faptul că pe la mijlocul povestirii, Augustin întâlnește un personaj care se cheamă Eric Emmanuel Schmitt. Il fait exprès de rencontrer Eric Emmanuel Schmitt parce qu'il sait que Eric Emmanuel Schmitt promène ses chiens dans la forêt, ce qui est vrai, et pas loin de sa ferme château, un vieux bâtiment du 16e siècle. Et donc il va me rencontrer, il va rencontrer Eric Emmanuel Schmitt, il va le faire rire parce que quand on me fait rire, j'ouvre ma porte. Et je vais avoir des grands entretiens, il va avoir des grands entretiens avec. Eric Emmanuel Schmitt, j'ai l'impression d'être schizophrène là. Augustin încearcă cu tot din adinsul să se întâlnească cu Eric Emmanuel Schmitt. Este în fața momentului în care acesta își plimbă câinii, ceea ce este adevărat, undeva în preajma reședinței sale, o reședință din secolul XVI, și întâlnindu-se îl face să râdă și acest râs îl face pe Eric Emmanuel Schmitt să-și deschidă ușa către Augustin. Urmează o mulțime de discuții, evident, și cu Eric Emmanuel Schmitt, cel din carte, ceea ce reprezintă un pic o experiență de dublare. Et là, ce qui m'a amusé aussi, c'est que Augustin exerce le don extraordinaire qu'il a. Vous en avez sûrement parlé avant. Augustin voit autour de chacun de nous les morts qui l'accompagnent. Hein, il a ce don de voir les morts qui nous accompagnent. Alors soit les morts avec qui nous avons une relation pacifiée, c'est les morts qui nous aident, qui nous tiennent debout. Soit les morts avec qui nous avons une relation encore complexe, problématique, voire agressive. Voire même parfois les morts qui nous dominent. Puisque nous sommes prisonniers parfois de notre passé. Et donc lui, Augustin, voit tout ça. Et pour moi, ça a été très étrange de montrer ce que voyait Augustin autour de moi. Parce que il voit tous les morts qui sont avec moi. Beaucoup sont absolument positifs dans ma vie. Et donc je croyais que c'était... En fait, moi, j'ai dit beaucoup de choses sur moi à travers le personnage d'Augustin. Il a un regard bienveillant, il voit des choses, et j'ai pu dire des choses très intimes, mais dans la fiction, grâce à cela. Et ça m'a pas amusé, ça m'a soulagé.